Finir ma vidéo parce que j'avais pas fini, donc ça a coupé, j'avais pas fini, j'ai pas compris. Donc on va la refaire, on va continuer sur le dernier parfum, l'avant-dernier, puisque maintenant, comme j'ai refait une vidéo, tant qu'à faire, je vous fais une petite série de fruits rouges. On a été coupé à la première vidéo, donc je continue. Alors, je voulais finir par le rouge lipstick. Voilà, sur Adopt, vous l'avez à 10 euros les 30 millilitres. Alors, le parfum, il se compose de framboises aussi, parce qu'aujourd'hui, on est dans la framboise. Donc, voilà, je voulais vous faire voir ma petite collection. Alors, en entrée, vous sentez de suite la framboise et la violette. Il est très, très, très addictif, celui-là. Il est très sensuel, il est très, très frais, très printanier pour le printemps. Il sent super. Bon, il a de la framboise, de la violette et de la vanille. Alors, celui-là, il est absolument magnifique. Il est à peu près dans la même famille que la première vidéo que j'ai faite. Donc, pour moi, franchement, il est au top. Voilà, il est au top, au top, au top. À prendre. Et puis, je voulais aussi, puisque je suis sur, j'ai fait la deuxième vidéo, vous parler aussi du deuxième escade que j'ai pris, c'est Cherry in Japan. Voilà, alors ça, c'est vraiment pour les amateurs de cerises, pour les amatrices de cerises qui aiment la cerise, qui aiment le fruit rouge, qui aiment, voilà, les parfums un peu simples, mais très beaux, parce que celui-là, il est très, très simple à l'ouverture de la cerise. Après, à la fève de tonka, et après, il y a la vanille. Voilà, c'est vraiment, il est vraiment très simple. Non, cerise, jasmin, fève de tonka. Très simple, mais très, ça suffit quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire, de mettre 36. Celui-là, vous voulez de la cerise? Vous avez de la cerise. Alors, il marque Cherry in Japon, parce que c'est les cerisiers qui sont au Japon, à Tokyo. Les cerisiers en fleurs, tout ça. Et ça rappelle le printemps, ça rappelle maintenant. Voilà, ça rappelle cette saison. C'était une merveilleuse saison. Voilà, il a du jasmin, il a de la cerise, il est tout simple ce parfum, il est vraiment tout simple, mais il est efficace. Voilà, c'est pas la peine d'avoir 36 000 fèves de tonka, jasmin, cerise. Voilà de quoi il est composé. Et je peux vous assurer que pour les fans de cerises, franchement, c'est à prendre quoi. Voilà, vous sentez pas ni la framboise, ni c'est la cerise. C'est vraiment de la cerise. Voilà, il est vraiment génial. Voilà. Alors, excusez-moi pour la coupure, ça a coupé, je m'en excuse. J'ai une connexion au village qui est un peu pourrie. Je suis en Corse, donc pas dans tous les villages. Pas dans, on n'a pas trop, trop, trop de connexion, ça dépend de certains villages. Et moi, je suis dans un village en montagne, donc c'est vrai que des fois, on a la connexion, des fois, on l'a moins. Voilà, je ne suis pas sur Ajaccio, je ne suis pas chez moi. Voilà, sur ce, c'était voilà, c'était pour finir avec ce petit flacon là, qui est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mes petits abonnés et les autres. Et merci de vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne raterez rien de ce que j'ai. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et je vous embrasse, je vous aime. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Vous me direz ce que vous en pensez. Ciao. Ben, ça ne veut pas couper. Ça ne veut pas couper. Ciao, ciao, ciao.